Bien, rebonjour à toutes et tous. Merci à vous qui nous suivez si nombreuses, si nombreux et de si loin, puisque je sais que pour certains, avec les fuseaux horaires, il est très tard ou très tôt pour vous. Merci encore d'être avec nous. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Voilà, je sais que dans la première table ronde, j'ai oublié de me présenter. Donc, je travaille pour un journal qui s'appelle Ouzbek Erika, qui explore le futur. Et on en a bien besoin, tant cette année 2020 aura été pénible et on va avoir besoin de se projeter. Mais si vous voulez bien, on va d'abord revenir, puisque nous sommes dans une journée sur React, sur ce qui s'est passé cette année avec deux reculs assez insoupçonnés dans le récit linéaire du progrès, deux grands reculs, à savoir d'abord celui de la vérité et également celui de l'égalité, avec notamment un immense recul des droits des femmes et puis des plus vulnérables, sujet que nous allons aborder avec nos trois invités en plateau. Christophe Deloire, bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières. À vos côtés, mais à distance réglementaire, Covid Safely, Monique Villa, vous êtes la fondatrice de Trust Conference et Trust Law. Vous avez également fondé la Thomson Reuters Foundation et vous êtes l'autrice de Slave Among Us. Bonjour. À ma droite, sur le plateau, bien évidemment, Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes ancienne ministre des Droits des Femmes et de l'Éducation nationale et vous êtes actuellement la directrice de l'ONG One. Et avec nous, à distance, mais pour des raisons éminemment nobles, Céline Mas, vous êtes la présidente de UN Women France. Donc vous êtes à Paris, mais la raison pour laquelle vous êtes à distance, c'est parce que, je crois qu'on a le droit de le dire, vous passez vos week-ends à aider des personnes âgées et que donc vous vous imposez une éthique sanitaire monacale. C'est tout à votre honneur, mais du coup, évidemment, vous manquez sur le plateau aujourd'hui. Je reviens vers vous dans quelques instants. En tout cas, merci d'être avec nous. Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes l'autrice cette année avec la philosophe Sandra Laugier d'un livre qui s'appelle « La société des vulnérables », « Leçon féministe d'une crise », et vous partez de ce principe, de ce postulat, pardon, qui est que on partait justement dans un récit un peu conquérant des femmes. Votre co-autrice, qui est une fan de série, aurait dit qu'on marchait vers Borgen, et finalement on s'est retrouvé avec la servante écarlate, un immense recul des droits des femmes. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu venir et comment est-ce qu'il se caractérise ? Bah, d'abord, vous connaissez tous autour de cette table, j'imagine, la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, « Il suffira d'une crise pour que les droits des femmes régresse et c'est vrai, une fois de plus, avec la crise du Covid-19 et avec les décisions politiques qui ont été prises de confinement, par exemple, ou de quasi-arrêt de l'activité économique et leurs conséquences, eh bien, ce sont les femmes qui ont été les plus touchées, les plus vulnérables. Et si vous voulez, c'est frappant dans l'absolu, mais c'était encore plus frappant pendant cette crise que, précisément, on a tous pris conscience d'une chose, c'est qu'on avait besoin dans nos sociétés des métiers dont il est apparu qu'ils étaient pour l'essentiel exercés par des femmes. Donc on aurait pu s'attendre à ce que les femmes non seulement soient un peu mieux protégées qu'elles ne l'ont été, mais prennent plus de place dans les débats publics, dans la gestion du leadership de la crise, etc., qu'elles ne l'ont pris. Or, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Donc si on reprend ces deux points, mais je pense que Céline Mas complétera aussi parce qu'elle doit avoir des chiffres sur le sujet, la situation des femmes s'est dégradée partout dans le monde. Elle s'est dégradée parce que quand on arrête l'activité économique, les premières à réduire leur emploi ou à le quitter ou à être obligées de partir sont les femmes. Donc en termes d'activité économique, elles sont beaucoup plus nombreuses à s'être retrouvées au terme du premier confinement au chômage que les hommes. Par exemple, un chiffre parmi tant d'autres, aux États-Unis, pour sortir un peu de la France, au mois de septembre dernier, on relevait qu'il y avait 850 000 femmes qui avaient dû quitter leur emploi contre 200 000 hommes. Donc, des évidences comme celle-là. Deuxièmement, si vous prenez toujours sur cette question de l'activité des pays encore plus en difficulté, les pays en développement, les pays dont nous traitons, nous, chez One, les pays atteints par l'extrême pauvreté, les femmes y sont généralement, soit ne travaillent pas, soit sont dans l'économie informelle, n'ont pas de protection sociale. Donc dès que l'activité économique s'arrête, elles n'ont plus de moyens de subsistance. Elles vont plus souvent se priver de nourriture, elles vont avoir beaucoup moins accès aux soins, au système de santé. Donc il y a tout un ensemble de conditions qui se dégradent pour elles. Vous prenez la question des violences. Il a été démontré partout que les hotlines, les centres d'appel liés aux violences ou les plaintes avaient explosé. Pour un pays comme la France, c'est plus 30% quand même. Et on parle à la fois des violences intrafamiliales auxquelles on pense tous, mais aussi des violences culturelles dans un certain nombre de pays, les mariages forcés, les grossesses précoces, les excisions qui sont en augmentation considérable. Enfin,
Bon, donc à la fois économiquement, à la fois en termes d'intégrité personnelle, les femmes ont été des victimes terribles de cette crise. Or, je reviens à ce que je disais, ce qui a été frappant, c'est que, y compris dans nos pays développés, eh bien, les femmes ont été absentes du champ médiatique, du champ d'expertise et du champ politique pendant cette crise. Céline Calvez, qui est une parlementaire qui a rendu un rapport sur la question de la présence des femmes dans les médias, démontrait que jamais on n'avait connu une situation aussi grave de ce point de vue. C'est-à-dire que les femmes déjà peu présentes sur les ondes y ont été quasiment absentes. Alors qu'on valorisait à longueur de journée, qu'on applaudissait tous ces métiers du care, du soin, les infirmières, etc., qui sont essentiellement des femmes, les caissières et tout ça, qui s'exposaient à la maladie, qui jouaient un rôle si important, on ne les entendait quasiment pas, elles n'étaient pas présentes dans les comités scientifiques. Les chercheuses publient pendant ce confinement beaucoup moins que par le passé. Je crois que le taux de publication par des femmes est tombé de quelque chose comme 20% à 12%. Donc c'est cet ensemble qui nous pose problème avec Sandra, et c'est la raison pour laquelle on a rédigé ce tract pour dire que ça ne peut plus continuer comme ça, quoi. Et dans le livre, vous partez de ce paradoxe qui est de dire qu'on n'a jamais autant parlé du care, et d'ailleurs on vit une crise sanitaire, une crise du soin, et on ne l'a jamais aussi peu mis en avant. Alors je sais que vous n'êtes pas essentialiste dans votre approche intellectuelle, mais il y a beaucoup de graphiques qui sont quand même sortis pour comparer la gestion de la crise sanitaire par les pays qui étaient dirigés par des femmes, la Finlande, l'Allemagne évidemment, et plus encore, plus emblématique, la Nouvelle-Zélande, et on voit que les femmes ont infiniment mieux géré la crise. Vous, évidemment, vous ne vous arrêtez pas à cette lecture, vous vous dites que c'est des sociétés qui sont suffisamment matures et avancées pour élire des femmes et pour ne moins faire peser sur les femmes les conséquences de la crise. Oui, alors entendons-nous bien, je ne veux pas non plus qu'on balaye du revers de la main cette histoire de succès quand même. Hein. Je veux dire, c'est formidable que Jacinda Ardern ait si bien géré la crise en Nouvelle-Zélande, donc bravo à elle, etc. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il ne faudrait pas en effet tomber dans cette forme d'essentialisme qui consiste à dire, ben, en réalité, dans ces moments où c'est moins une rhétorique guerrière qui a vraiment montré ses limites qu'on fait en France ou dans les pays qui l'ont poussé encore plus loin, genre aux États-Unis, au Brésil, etc., on va faire la guerre au Covid-19. Donc c'est moins une rhétorique guerrière dont on a besoin qu'une société du care. Dans ce moment où on se dit on a besoin d'une société de l'attention, du soin aux autres, de la coopération, regardez, celles qui le font le mieux, c'est les femmes. Et donc l'essentialisation, ce serait de dire il n'y a que des femmes capables de mener à bien une politique du care. Et donc, à contrario, le jour où on aura besoin d'une politique de guerre, il vaut mieux aller chercher un homme quand même. Et moi, ce que je dis, c'est que non, il faut arrêter d'essentialiser dans ce sens-là. En revanche, ce qui est ressorti pour moi de cette crise, c'est que de plus en plus, politiquement, nos sociétés ont besoin d'une gouvernance du care. Mais que cette gouvernance du care, en réalité, elle peut être réalisée par des hommes comme par des femmes, mais à nous de valoriser ce dont on a le plus besoin. Honnêtement, est-ce qu'on a besoin d'une rhétorique guerrière pour lutter, au-delà de la pandémie Covid, pour lutter contre le changement climatique ? Où est-ce que ça nous mène ? Est-ce qu'on a besoin de cette rhétorique guerrière qui pollue nos plateaux télé, nos débats, qui polarise tout, qui fait qu'on a tous l'impression de ne plus être d'accord avec personne, etc. Est-ce que ça enrichit notre démocratie ? Est-ce que ça enrichit notre sens de la vérité ? Non. Donc en fait, on a besoin du contraire de cette rhétorique guerrière. Et cette éthique du care, pour aller vite, elle a été illustrée, incarnée beaucoup par des femmes. Ça ne veut pas dire que seules des femmes en soient capables. Alors, juste avant de passer la parole à Céline Masse, et je pense que Monique Villa complétera, la fin de votre livre, sans spolier ce qui s'y dit, c'est qu'au fond, penser une éthique du care politiquement, c'est aborder une révolution qui n'est pas une révolution sororale et une révolution pour les femmes, mais une révolution pour tous les plus vulnérables. Est-ce que vous pouvez expliciter ça, parce que ça n'a rien d'évident ? Oui, c'est-à-dire que, en fait, enfin, moi, j'accorde énormément de crédit au beau mot de féministe. Je sais que parfois il est un petit peu mis à mal, mais pour moi le féminisme c'est le combat qui tend à restaurer de l'égalité là où il y avait hiérarchie. En l'occurrence il est porté par des femmes qui ont souffert depuis la nuit des temps de cette hiérarchie installée entre les sexes et qui perdure et on le voit à l'aune de chaque crise. Mais ce combat-là, qui consiste non pas à remplacer une domination masculine par une domination féminine, non pas à remplacer un patriarcat par un matriarcat, contrairement à ce que disent ses détracteurs, ce combat-là pour restaurer de l'égalité,
En fait, il peut être habité, endossé par tous ceux qui, aujourd'hui, s'estiment à la périphérie de l'égalité, c'est-à-dire qui n'ont pas voix au chapitre, qui font face à un pouvoir qui est accaparé par d'autres, qui sont dominés par d'autres. Et donc, je pense en effet qu'une économie féministe, une politique féministe, une gouvernance féministe d'un pays ferait le plus grand bien à la lutte contre les inégalités dans toutes leurs dimensions. Je n'ai pas le droit d'avoir d'opinion, évidemment, sur ce plateau, mais je suis plutôt d'accord avec vous. Est-ce que Céline Mas, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis là. Vous m'entendez ? On vous entend très bien, j'espère que... Parfait. Alors, vous avez entendu Najat Vallaud-Belkacem dire « Céline Mas aura sans doute des chiffres ». L'organisation pour laquelle vous travaillez, l'ONU, a récemment dit qu'avec 0,14% du PIB mondial, on pourrait sortir 100 millions de femmes de l'extrême pauvreté. Quand on pense... que la plupart des États ont augmenté leur dette publique de l'ordre de 20 à 30%. 0,14%, ça paraît dérisoire pour un nombre d'humains absolument considérable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'inaction par rapport à ça ? Et dites-nous un peu ce qu'il y a derrière ce chiffre, et puis vous pouvez nous en donner d'autres d'ailleurs. Oui, merci. Effectivement, Najat Vallaud-Belkacem a bien planté le décor des inégalités. Les chiffres sont, j'ai envie de dire, terrifiants, assommants, et on aura d'autres chiffres dans quelques mois, puisque avec le recul sur la pandémie, les chiffres vont se solidifier. Les 0,14%, donc de milliards, c'est 0,14% du PIB mondial. Si on dédie rapidement cette somme à résorber l'extrême pauvreté dans laquelle sont en train de tomber des millions de femmes et de filles, on aurait des résultats substantiels qui auraient aussi des conséquences positives pour les hommes et pas uniquement pour les femmes. Puisque, ça j'insiste, le féminisme ou l'engagement pour l'égalité n'est pas un sujet catégoriel, c'est bien un sujet de société pour une société plus juste, c'est un sujet d'égalité des droits. Ça, c'est très important de le rappeler aussi. L'un des combats, l'un des engagements d'ONU Femmes et de l'ONU, c'est l'égalité des droits. On parle de droits humains et on ne parle pas uniquement de droits des femmes, droits des filles. Donc, on en est là. Pour donner une comparaison par rapport à ces 0,14%, la chef économiste de l'OCDE, en septembre, avait chiffré à 7 000 milliards le coût de la crise pour les États et les investissements nécessaires pour essayer de résorber cette crise au plan économique. Donc, si on met au regard de 7 000 milliards, 0,14% du PIB, 2 milliards, on se rend bien compte quand même, sans faire de démagogie, que ce sujet est un sujet de volonté politique. Et qu'aujourd'hui, dans une crise qui est désastreuse pour les femmes au plan social, économique, qui détruit des familles entières, donc Najat Vallaud-Belkacem a bien parlé, 30% de plus de violences, d'appels de victimes. On a également dans le monde du travail 740 millions de femmes dans l'économie informelle qui ont tout perdu et qui vont peut-être ne jamais se relever de cette crise. On a plus de 7 millions de grossesses non désirées, a priori, 47 millions de femmes qui n'auront plus accès à la contraception. On a 70% des personnels du care et du soin dans le monde et de médecins qui sont des femmes, avec 11% d'inégalités salariales. Donc ça, ce sont des réalités. Face à ça, il faut de la volonté politique. Je ne veux pas faire de démagogie ici. Évidemment que mettre en mouvement, en congruence des États, évidemment que la diplomatie est une chose compliquée, que les choses prennent du temps, qu'elles demandent énormément de concessions, de discussions, mais néanmoins, et c'est un message que nous voulons faire passer, cette crise est une opportunité de passer à l'échelle en matière de droits des femmes de manière substantielle, d'accélérer réellement, et ça passe par une volonté politique, avant toute chose. Merci pour ce plaidoyer avec des chiffres terribles. J'en rajoute un que vous m'avez appris, c'est qu'il y a 11 millions de petites filles qui ont été déscolarisées à l'aune de la crise Covid, ce qui est assez terrible. Pour être sur une perspective plus... Non, juste pour compléter ce chiffre, et 6 filles sur 10 ne repartiront pas à l'école dans les pays en développement. C'est ça peut-être le plus terrible, parce qu'on a une expérience née notamment de la pandémie d'Ebola qui nous apprend que dans les pays, par exemple en Afrique subsaharienne, les filles qui ont dû arrêter l'école pour justement avoir subi des grossesses précoces pendant le confinement, etc., etc., ne sont plus réacceptées dans les écoles une fois qu'elles réouvrent. Donc il y a quand même d'autres situations très compliquées. La journée étant intitulée REACT, et comme on était censé partir sur une connotation plus positive, et là c'est compliqué ce que vous me faites, je voudrais quand même évoquer quelques outils qui existent pour repartir du bon pied, pour se relancer correctement. Najat Vallaud-Belkacem soulignait les écarts très forts en termes de perte d'emploi qui ont frappé les femmes, contrairement à la crise de 2008, celle-ci les a affectées.
Vous, ce que vous poussez, c'est notamment de dire que pour relancer, il faut investir aussi en prenant en compte ces inégalités avec ce qui pourrait être de la budgétisation sensible au genre, qui est un outil qui est poussé, et je pense que ça fera plaisir à ma voisine, à la fois par la ville de Lyon ou encore par le Maroc. Vous nous entendez ? Oui, oui, tout à fait. Je ne vous entendais plus, mais donc effectivement, la budgétisation sensible au genre, c'est un vieux sujet, ça a 20 ans. Ça a été poussé par les Nations Unies, c'est présent dans de nombreux traités internationaux. Ça consiste à quoi ? Ça consiste à passer au tamis de l'égalité, l'allocation des deniers publics. Et donc, y a une circulaire d'ailleurs qui est passée en France en 2014 sur l'intégration de ce sujet pour les collectivités de plus de 20 000 habitants. Aujourd'hui, il se trouve que ça n'est pas du tout partagé. Le Maroc, en effet, est un champion, mais ça fait 18 ans que le Maroc, depuis 2002 à peu près, s'est engagé dans ces politiques. Et je réponds vraiment aux détracteurs de ces politiques, de l'optimisme, vous avez raison, il faut en avoir toujours, c'est que ça n'est pas compliqué, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, ça n'est pas techniquement compliqué de passer quelques données budgétaires au tamis de l'égalité. Ça a une vertu en plus, c'est que méthodologiquement, vous mettez autour de la table les bailleurs de fonds, et les gens qui sont sur des programmes, qui sont sur le terrain. Et ces gens ne se parlent pas toujours. Donc ça, c'est très vertueux. La difficulté, en revanche, c'est de ne pas siloter la méthode. C'est-à-dire que si c'est appliqué uniquement dans une collectivité de ci, de là, par un seul État, on se retrouve face à une méthode qui n'a pas les progrès attendus. Mais c'est tout à fait possible. Et c'est un outil, d'ailleurs, Oxfam, le Centre Bertine Auclair ont publié des rapports très précis et très simples. Donc dès demain, j'espère que les gens qui nous écoutent pourront appliquer cette méthode. Je suis à leur disposition pour plus de conseils. Cette journée sert aussi à ça, donc on vous mettra en relation pour que vous puissiez donner les 10 items. Vous restez avec nous surtout pour quelques questions supplémentaires dans un instant. Monique Villa, je vous voyais noter le chiffre de 740 millions de femmes dans l'économie informelle dont parlait Céline Mas. Vous, c'est ça qui vous choque particulièrement, c'est à quel point les plus vulnérables sont passés sous les radars de cette crise. C'est-à-dire, quand on pense juste à une chose, en Inde, le Premier ministre Modi a dit à tous les gens de rentrer chez eux au moment du lockdown. Rentrer chez eux quand on n'a pas de chez soi, comment on fait ? Donc on part sur la route et on n'a plus rien, on est complètement démunis. On est déjà complètement démunis, mais là encore plus. Et donc ce sont des familles entières qui se sont retrouvées à être la proie de n'importe quel trafiquant, de n'importe quel esclavagiste, etc. Donc, et je prends l'exemple de l'Inde parce que c'est quand même un pays d'1,3 milliard d'habitants et un pays et une démocratie encore. Et c'est donc absolument évident que l'énorme tribut payé par les plus pauvres et par les plus démunis est considérable. Donc, comment on fait pour les aider ? Il y a heureusement des tas d'organisations et d'associations et d'ONG qui sont parfaites et qui sont en première ligne et qui les aident. Ça ne suffit pas, évidemment. Il faut faire beaucoup plus. Et pas seulement pour les femmes, pour les filles, pour les petits garçons aussi, pour les hommes. Moi, je suis vraiment pour tout le monde. Les pauvres, je ne fais pas de distinction de sexe. Je pense que c'est pour ça que moi j'avais commencé à la fondation Thomson Reuters, dont j'ai pris la direction il y a 13 ans maintenant. J'ai commencé à vraiment créer des journalistes, à créer une équipe de journalistes qui reportent tout ce qui était totalement sous-reporté, c'est-à-dire ce qui était under-reported. Et je parlais de l'esclavage, l'esclavage moderne, qui est une chose qui existe. Il y a 130 000 esclaves en France. Qui est-ce qui le sait ici ? Personne, probablement. Il y en a autant en Angleterre, il y en a 500 000 aux États-Unis. Et tout ça, on n'en sait rien parce que les data ne sont pas exactes. Bon, donc l'esclavage dont personne ne parlait il y a 12 ans, on a commencé à en parler et ensuite ça a commencé parce qu'on était distribué par Reuters News, donc à tous les journaux et les médias du monde entier, ça a commencé à intéresser d'autres médias. On a couvert le Human Impact of Climate Change, l'impact humain du climate change, l'accès à la propriété, l'accès à la terre. Quand on parle d'accès à la terre, il faut juste savoir que les femmes, pour revenir aux femmes, ne possèdent que 20% de la terre dans le monde. Que quand vous devenez veuve en Afrique,
très souvent encore, le terrain reviendra aux frères de votre mari et vous serez complètement laissés dépourvus. Donc, l'accès à la propriété, l'accès à la terre, c'est un droit considérable qu'il faut, sur lequel il faut jeter de la lumière. Et pour jeter cette lumière, rien n'est mieux que les histoires humaines. Donc, c'est ce qu'on fait. On raconte des cas humains, des histoires, parce que tout le monde adore les chiffres. C'est très beau de parler de milliards et tout, mais on les oublie. Par contre, les histoires, on s'en rappelle. Les histoires de gens, on s'en rappelle. Donc ça, on a fait beaucoup de ça. Et on a fait aussi pour pousser le rule of law dans le monde entier, c'est-à-dire l'état de droit. Donc on a créé une organisation qui aide toutes les ONG qui en deviennent membres et de qui on prend tous les droits, tous les legal needs. Et on a travaillé avec Christophe là-dessus sur le droit à l'information. Et justement, juste avant de donner la parole à Christophe, je comprends l'importance des récits, hein, et Delphine Horviller en parlait ici ce matin, mais comme vous évoquiez le nombre d'esclaves, c'est vrai que moi, j'avais pensé faire mon intéressant en vous parlant du cas des Ouïghours en Chine, et vous m'avez dit, mais malheureux, il y a beaucoup plus d'esclaves en Chine dans les prisons. Non, c'est pas qu'il faut le minimiser du tout. Non, pas du tout, mais en fait, vous aviez dit que la focale n'était pas toujours mise sur les problèmes les plus éminents. Est-ce que vous trouvez, puisqu'on va parler avec Christophe quelle est l'expression des RSF, le chaos informationnel, est-ce que vous avez l'impression que la vérité est en recul, ou ça, c'est une impression trompeuse? Ah non, ça, c'est pas du tout trompeur. Enfin, je veux dire, c'est probablement le plus grand danger pour toutes nos démocraties, c'est la désinformation et la fabrication de faits alternatifs. Mais pour revenir sur les Ouïghours et sur l'esclavage, les Ouïghours, qui sont cette population musulmane en Chine, qui est complètement... Enfin, il y a un véritable... Pas génocide, mais enfin, en tous les cas, un considérable arrêt à ce qu'ils prolifèrent et à ce qu'ils puissent vivre normalement. Il faut savoir que le système pénitentiaire en Chine est entièrement organisé sur le travail forcé. C'est de l'esclavage. On a des quotas quand on est prisonnier en Chine. On a des quotas. J'ai eu à ma conférence, j'avais créé la Trust Women, qui est devenue la Trust Conference. Et j'avais un dissident chinois qui est venu expliquer, parce qu'il avait fait de la prison, que le bruit qu'on entend le plus souvent en prison le soir, c'est le cri des détenus, qui, parce qu'ils n'ont pas atteint leur quota du jour, sont battus, et battus férocement. Bon. Donc, le problème des Ouïghours, oui, on les fait travailler du travail forcé en prison, mais ils ne sont pas les seuls. Mmh. En Chine, qui est le deuxième pays pour l'esclavage dans le monde, après l'Inde quand même. Alors Christophe, pour finir ce premier tour de table, vous pouvez d'abord avoir une réaction en se demandant si du coup la surprésentation masculine sur les plateaux de médias est alliée avec le recul de la vérité. Est-ce que vous voyez une causalité? Bon, voilà, je vous taquine. En tout cas, les hommes sont des femmes comme les autres. D'accord, bon, je vous taquine. Chaos informationnel cette année. Je lisais hier que face à la pandémie de Covid-19, plus de 6 pays sur 10, dans le monde 61% pour être exact, considèrent que leurs régimes ont pris des mesures illégales, disproportionnées, sans limite de temps ou non nécessaires pour restreindre les libertés démocratiques. Et parmi celles-ci, on pense énormément à la liberté d'informer. On se trompe pas. Donc, enfin, je veux dire, l'organisation que vous présidez, Reporters sans frontières, marque que cette année, il y a plutôt un recul sur la liberté d'investiguer. De la part d'un certain nombre de régimes, et d'un nombre important de régimes, il y a eu l'application de ce qu'on appelle la doctrine du choc, qui avait été inventée par Naomi Klein sur des sujets économiques. Mais c'est profiter d'une crise, et y compris d'un choc psychologique sur une population, pour faire passer des mesures qui, en d'autres temps, ne pourraient pas être passées. Et donc, c'est vrai que là, il y a eu une offensive contre le droit à l'information des citoyens. Alors, l'organisation que vous présidez n'œuvre pas qu'en France, puisqu'évidemment vous êtes sans frontières, donc on n'est pas obligé de... Mais nous, c'est vrai qu'on est très focalisé sur cette loi de sécurité globale, où on a l'impression que tout d'un coup, on ne peut plus investiguer librement. Vous parlez de chaos informationnel, et pour essayer de détendre tout ça et de partir sur du temps long, vous avez mis en place deux initiatives international. D'abord, l'initiative sur l'information et la démocratie, avec un forum de la démocratie, et ensuite le Journalism Trust Initiative. Je veux bien qu'on prenne ces deux initiatives dans l'ordre pour voir en quoi est-ce qu'elles pourraient permettre d'avoir un aspect plus serein à l'information. Il y a de nouveaux phénomènes, et il y a des phénomènes qui sont aujourd'hui amplifiés du fait de la digitalisation de notre communication entre les êtres humains. En fait, on est beaucoup focalisé sur les phénomènes, l'amplification des propos de haine, des rumeurs, de la désinformation, d'origine russe par exemple. Mais tout ça est lié en fait à un changement qui est un changement dans l'infrastructure, qui lui est un changement qui n'est pas visible, sur lequel je vais revenir. Mais d'abord, dire que c'est la première fois dans l'histoire des démocraties que des contenus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres sont en concurrence directe.
la propagande d'État, la publicité, l'information sponsorisée, le journalisme, la chanson sous la douche, les insultes de l'automobiliste qui avant était dans sa voiture, tout ça se retrouve aujourd'hui en concurrence directe et je dirais d'égale dignité. Voire avec un avantage concurrentiel, un avantage compétitif pour tout ce qui est extrémiste et faux. C'est notre espace public qui a été complètement bouleversé. Et d'autant plus qu'avant, c'était les parlements qui dictaient les règles de la délibération publique. Par un certain nombre de lois, la régulation des médias, qu'on ne voyait pas, mais qui avaient des vertus. Et tout ça a été détruit. La question, ce n'est pas de revenir au monde d'avant, qui avait beaucoup de défauts. Il y avait des phénomènes de domination sur l'information, de corruption, toutes sortes de choses. Mais de trouver les moyens aujourd'hui d'imposer des principes démocratiques, et avant de les imposer, de définir lesquels, à ceux qui désormais ont remplacé les parlements, ceux qui édictent les lois de l'espace public, qui sont les plateformes numériques. Ça peut paraître un peu aberrant de dire qu'ils ont remplacé les parlements, mais c'est vrai. C'est-à-dire que des règles sur l'organisation du pluralisme, la distribution des informations, ce qu'on voit en premier ou en deuxième, aujourd'hui, c'est Mark Zuckerberg qui en décide, quand ce n'est pas des plateformes à la solde du Parti communiste chinois. Et donc, il faut reprendre ces clés, et c'est l'objet de l'initiative sur l'information et la démocratie, qui est la première que vous avez citée, pour sortir de cette logique, au fond, purement marchande aujourd'hui de l'espace public, parce que l'objectif aujourd'hui de l'organisation de l'espace public, c'est les gains des actionnaires des sociétés de la Silicon Valley. Et ça, c'est totalement destructeur. Et donc, on a lancé une initiative qui a consisté à dire, d'abord, réinterrogeons-nous sur quels doivent être les principes de cet espace global, en termes de transparence des lois, puisque les lois adoptées par le Parlement, elles étaient connues. Les lois qui sont celles des algorithmes, leur fonctionnement, aujourd'hui, c'est protégé comme la recette du Coca-Cola, au nom du secret commercial. Mais enfin, là, il s'agit de notre démocratie. Et donc, on a obtenu, après avoir édicté un texte, une déclaration sur l'information et la démocratie avec une commission de grands esprits, de lauréats du Nobel, d'économie, de littérature, de la paix, etc., de spécialistes des nouvelles technologies, un partenariat intergouvernemental. 38 États l'ont signé. Des démocraties. En gros, on a créé une coalition de démocraties qui puisse aussi réentrer dans un rapport de force avec les dictatures, composer des principes généraux qui ont été adoptés l'an dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. À partir de là, on a créé un nouvel organe qui s'appelle le Forum sur l'information et la démocratie, qui a un peu vocation à être l'équivalent de ce qu'est le GIEC pour le réchauffement climatique, pour l'urgence climatique, mais là, pour l'urgence démocratique, et qui fait travailler des chercheurs, des juristes partout dans le monde pour faire de la recommandation législative, là où, pour l'instant, les parlements et les gouvernements s'attachent plutôt à traiter des phénomènes plutôt que s'intéresser à l'aspect structurel et à la réorganisation de cet espace. Alors, pardonnez-moi, mais puisque c'est vous-même qui citez le GIEC, quelle capacité de coercition vous aurez? Parce que personne ne remet en cause les diagnostics du GIEC, mais force est de constater que les émissions augmentent toujours. Pardon, qu'est-ce que c'est le GIEC? C'est le groupement d'experts internationaux sur le climat. IPCC. Ah, et aussi, quand on se souvient de Zuckerberg devant le Congrès américain, quand il s'était fait poisser pour fraude, il n'en menait pas large, mais pour l'instant, il n'a pas changé grand-chose et il n'a pas rendu public ses algorithmes. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que, justement, cette alliance nouvelle que vous portez puisse les contraindre un minimum? Oui, parce que pendant longtemps, en fait, il y a eu une espèce de fait de sidération. Personne n'a vraiment compris ce qui se passait, a pris la mesure. Donc, il y a 20 ans a été posé le principe de l'irresponsabilité des plateformes et qui était bien d'une certaine manière, parce que c'est très dangereux que des acteurs aussi puissants prennent des décisions. Et par exemple, ce qui s'est passé récemment au moment de l'élection américaine, où Twitter, Facebook se sont mis à prendre, d'une certaine manière, des décisions éditoriales. Alors, tout le monde peut se dire, ou les anti-Trump peuvent se dire, c'est formidable, c'était contre Trump. Mais en fait, c'est incroyablement dangereux qu'une société qui a 2,5 milliards de personnes, on est très loin des taux de concentration sur lesquels, dans les États, en France, pour Hersant, qui possédait une grande partie de la presse régionale, là, on est à la puissance 10 ou 100, ouais. Plutôt 100 que 10, d'ailleurs. Et donc, il faut leur imposer, mais il fallait d'abord se dire qu'est-ce qu'on doit leur imposer. Parce qu'à un moment, tout le monde s'est mis à dire il faut des responsabilités pour les plateformes. Mais la réponse, c'est lesquelles? Et elles ont une fonction tellement nouvelle qu'il fallait arriver à définir ça avant de faire en sorte que des États les imposent. Là, pour l'instant, ce qu'on a obtenu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies l'an dernier, c'est du droit non contraignant.
mais qui doit mener à du droit contraignant. Et pour ça, on a remis un premier rapport, le Forum sur l'information et la démocratie a remis un premier rapport il y a un mois, avec 250 recommandations, pas sur tous les sujets, mais sur une partie des sujets, sur la transparence des algorithmes, sur les règles de modération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement les plateformes, elles ont remplacé les parlements, mais elles ont aussi remplacé la justice, parce que c'est elle qui décide de la censure. Et ça, on leur a délégué, faites ce que vous voulez. Et aujourd'hui, rien n'empêche Mark Zuckerberg d'orienter son algorithme. Au fond, aujourd'hui, les plateformes, elles ont le pouvoir des gouvernements, des parlements, et elles sont protégées par les droits de l'homme, par le droit à la liberté d'expression de Mark Zuckerberg. C'est un déséquilibre phénoménal et dangereux. Sans nous donner les 250, est-ce que vous pourriez nous donner une ou deux mesures qui seraient vraiment restrictives pour les plateformes? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elles embauchent des milliers de régulateurs, de commentateurs pour limiter On n'est pas simplement sur le fait de leur fournir des obligations de moyens au sens de moyens humains, mais il faut leur donner des obligations de moyens, c'est-à-dire que le fonctionnement des algorithmes respecte un certain nombre de principes quand elles modèrent. Mais il y a aussi des sujets autour des messageries privées qui aujourd'hui sont en partie assimilables à de l'espace public, c'est-à-dire quand vous pouvez envoyer un contenu à 10 millions de personnes, et dans beaucoup de pays, il y a eu des manipulations de l'information qui sont liées à des messageries privées par le BJP en Inde. Vous pouvez dire WhatsApp avec l'élection de Bolsonaro a été… Voilà, au Brésil, etc. Mais le droit avant, en fait, on est confronté au fait que la logique ancienne du droit dans l'ensemble des démocraties ne tient plus. Et donc, il faut réinventer jusqu'à la logique du droit. Parce qu'avant, il y avait par exemple l'espace privé et l'espace public. Mais aujourd'hui, il y a des endroits où c'est confondu. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, on a dans ces 250 recommandations, il y a un quart de ces recommandations portent sur ce sujet-là, par exemple. Najat Vallaud-Belkacem, je veux bien un petit témoignage de votre part pour savoir si cette initiative vous aurait, je ne sais pas s'il faut dire sauvé, parce que vous en êtes bien sorti, mais quand vous étiez ministre de l'Éducation, nationale. Vous aviez porté un texte à l'Assemblée qui s'appelait les ABCD de l'égalité et vous avez fait face non pas à de l'hostilité, ce qui est le jeu de la démocratie, mais à une campagne de désinformation assez massive qui avait débouché sur un mouvement qu'on appelle la journée de retrait de l'école, qui était porté par Alain Soral et Farid Abelghoul, pour ne pas les citer, donc des militants d'extrême droite, où on expliquait grosso modo, j'ai passé peu de temps à regarder les vidéos, que vous souhaitiez que l'ensemble des enfants des écoles maternelles et primaires de France apprennent à se masturber ensemble et que c'était votre grand projet éducatif. J'ai mal lu votre texte de loi, j'imagine que ce n'était pas le cas. Comment est-ce que vous avez réagi face à ça et quelle protection vous auriez voulu supplémentaire pour empêcher ces campagnes un peu folles? Non, d'abord, moi, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que disait Christophe Deloire parce que, en fait, c'est rassurant de se dire qu'il y a des lieux, en effet, qui ont été conçus pour penser toutes ces choses-là. Parce que le grand désarroi naît du fait d'être confronté à tout ce que vous disiez sur la non-hiérarchisation des canaux d'information ou de non-information. Et c'est vrai que, à titre individuel, même quand vous ouvrez votre téléphone portable et que vous voyez exactement sur le même plan une publicité puis une information, c'est quand même déroutant. Il y a des moments où il vous faut un temps de latence avant de comprendre que c'est une publicité. Enfin, vraiment, je trouve que la question du recul de l'information au sens strict du terme est le problème le plus grave, sans doute, de notre démocratie, parce qu'il en entraîne tellement d'autres derrière. Donc vraiment, je suis heureuse de savoir que tout ça existe et j'espère que ça va déboucher sur des engagements concrets de la part des États et des plateformes. Mais pour vous répondre, c'est vrai que, en fait, ces derniers temps, je me suis dit, parce que maintenant, on vit dans un monde de fake news ou de fausses informations permanentes ou de vérités alternatives, comme vous disiez, permanentes, et donc on a fini par s'y habituer. À l'époque où j'étais en responsabilité comme ministre, et notamment dans les années 2012, 2013, 2014, c'était encore assez nouveau et je me sentais un peu seule lorsque je faisais quand même l'objet de façon assez récurrente de rumeurs ou de fausses informations. Et l'exemple que vous avez donné était extrêmement symptomatique, en effet, parce que, en gros, on faisait en sorte d'introduire dans les écoles ce qu'on appelait un programme ABCD de l'égalité qui visait grosso modo à apprendre l'égalité aux filles et aux garçons, pour éviter les autocensures, pour éviter de les conditionner dans des stéréotypes, etc.
Et ce programme a été pris en grippe par des individus qui, vous les avez cités tout à l'heure, qui ont décidé de lancer énormément de, alors, de fausses de rumeurs et de fausses informations, notamment sur les messageries privées. Donc ça commençait à apparaître à ce moment-là, c'est-à-dire que je ne sais comment ces individus et ces groupes organisés s'étaient procurés les téléphones portables de parents dans les quartiers populaires, parce que c'est comme ça que les choses ont été montées. Plutôt d'ailleurs des parents d'origine maghrébine, turque, etc. C'est-à-dire des parents, le présupposé était « Ah, ils doivent être spontanément défiants à l'égard de l'école, donc en fait ça prendra mieux auprès d'eux ce type de rumeurs. » Et des messages leur étaient passés, mais par centaines, sur le mode « Attention, derrière ce programme, on va apprendre à vos enfants qu'ils peuvent choisir le sexe qu'ils veulent et qu'ils peuvent en changer. » On va, vous vous souvenez de ça? Oui, non, mais surtout, ce que je voudrais ajouter à ce que vous dites, c'est qu'être une femme vous met particulièrement en position d'être critiquée sur les réseaux sociaux. Oui, tous les journalistes qui ont tenu tête au pouvoir en Inde, au Brésil et partout ont été vilipendés sur les réseaux sociaux, traités de prostitute, pour prostitute, etc., etc., et des véritables campagnes. Donc, quand on est femme, ça s'accélère. Mais si je peux revenir sur ce que disait Christophe tout à l'heure, il y a deux choses, Facebook et Facebook, et Google et Google, et pour aucun gouvernement, il est facile de savoir comment les faire se mettre en ligne. Et je pense que c'est pratiquement impossible parce qu'eux ne répondront qu'à un gouvernement, qui est le gouvernement des États-Unis, puisque c'est là où ils payent les impôts qu'ils payent quand ils en payent. Donc, les autres, malgré tout, ils écoutent poliment. Donc, il y a deux choses là. D'abord, tout va très, très vite. Il y a 6 ans, les journaux n'étaient pas encore distribués sur Facebook. Ça a commencé il y a 6 ans, je crois, 6 ou 7 ans. Et à partir du moment où le New York Times s'est mis sur Facebook, le Washington Post s'est dit, mon Dieu, on ne peut pas ne pas y aller parce que sinon, on perd une audience considérable. Et tout a suivi. Et ensuite, la publicité, etc. Mais ce que Facebook, comme Google, refuse, c'est d'être considérés comme des publishers, c'est-à-dire comme des directeurs de publication. C'est pour ça que quand ils décident tout d'un coup d'interrompre ou de dire les tweets de Trump sont faux, etc., c'est extrêmement dangereux, parce que là, ils se conduisent presque comme des directeurs de publication, alors qu'ils se sont toujours bien maintenus à l'écart, parce qu'ils ne veulent surtout pas rentrer là-dedans. Ils veulent les droits, mais pas assumer les devoirs. Évidemment, ouais, évidemment, sûr, ouais. Et c'est parfaitement normal. Alors, Facebook se donne bonne conscience, et se donne bonne conscience mondialement quand ils en parlent, en disant, mais on paye tous les journaux pour faire du fact-checking. Donc, on donne un certain nombre de millions, très très peu, hein, je crois qu'en tout, ça doit être à peu près 10 millions de dollars à des journaux, à des organes de presse, à des agences de presse pour qu'ils checkent les faits. Avec évidemment, il faut se rappeler quand même que Facebook, c'est 80 milliards de dollars. Hein. Donc quand ils dépensent 10 millions de dollars pour se faire bonne conscience sur le fact-checking, c'est pas mal, mais ça pourrait être beaucoup plus. Et ensuite, le problème, c'est que le fact-checking arrive après, évidemment, par définition, puisque vous donnez un fait qui est faux, le temps qu'on... ça peut prendre un jour, 2 jours, plus. Et donc, évidemment, l'information a déjà été diffusée massivement sur les réseaux sociaux. Donc, la grande difficulté, c'est que les gouvernements... Et ça, il y a vraiment une action qui doit être menée par chaque gouvernement pour essayer... Bon, quand on dit qu'il faut que Facebook partage ses algorithmes, good luck, hein? Very good luck. Ça n'arrivera jamais. Bon, je crois, évidemment. Au contraire. Ah ben moi, je suis prête à parier tout ce que vous voulez. Si ça n'arrive jamais, nos démocraties sont mortes. Eh bien, c'est un énorme danger pour la démocratie, mais forcer Google à partager ses algorithmes qui lui rapportent des milliards de dollars chaque année, c'est très difficile. Dire à Google qu'ils ont une responsabilité, notamment avec YouTube, parce qu'on ne parle jamais de YouTube, mais YouTube, c'est un moyen extraordinaire de diffuser la désinformation. YouTube appartient à Google. Google, vous leur dites, mais vous faites de la désinformation en aidant tout ça et avec vos algorithmes qui poussent sans arrêt toutes les vidéos qui sont les plus choquantes, enfin, souvent. Ils vous disent, non, nous, on est juste une search engine, on est un moteur de recherche, on n'est rien d'autre, on peut pas, on diffuse tout ce qui passe, etc. Donc, c'est un problème extrêmement compliqué sur lequel on a pris un retard tellement considérable que maintenant, il faut y aller, il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est nos démocraties qui sont mises en danger, mais les moyens ne sont pas du tout évidents. Alors, Christophe, en un mot, puis on retournera quand même vers Céline Masse. Dans la deuxième saison de House of Cards, il y a un affrontement entre un milliardaire
qui a des usines et le président des États-Unis, et le milliardaire lui dit « tu as besoin de mon argent et de mes usines » et lui dit « I've got the guy with guns, donc tu feras ce que je te dis ». Est-ce que vous croyez à cette logique ? Extrêmement intense, ça, il n'y a pas de doute. Et l'annonce des textes européens a été reportée, et notamment, semble-t-il, à cause du lobbying des grandes firmes américaines. Ah, mais si les gouvernements démocratiques veulent, ils peuvent. Et là, il y a des textes qui vont être annoncés la semaine prochaine par la Commission européenne, Digital Services Act et Digital Markets Act. On verra jusqu'où est allée l'Union européenne, mais l'Union le peut. Et de la même manière, Trump, alors sans doute pour des mauvaises raisons, mais a réouvert le texte qui s'appelle la Section 230 aux États-Unis. Et dans toutes les grandes démocraties, il y a des textes en discussion. Donc il y a un moment où on peut obtenir satisfaction. Je voudrais réagir à un deuxième point. La logique ne doit surtout pas être politisée. C'est-à-dire l'objectif n'est pas de permettre de sauver telle annonce gouvernementale, quoi qu'on pense, de sa légitimité. Parce que ça laissera à penser à une partie des citoyens qu'en fait, c'est contre eux, c'est pour imposer une vision politique sur une autre. Or, le principe de l'espace public des démocraties, c'est qu'il est neutre politiquement. C'est ce que garantit la Constitution, c'est ce que garantit le droit français, c'est que l'espace, évidemment, dans l'espace, tout le monde essaie d'emporter avec ses convictions, mais le droit lui-même n'est pas orienté politiquement. Le risque, c'est qu'avec les plateformes, il peut l'être. Et d'une certaine manière, il l'est. C'est comment on réimpose cette neutralité et comment on met en place des mesures qui permettent de favoriser la promotion, enfin de faire la promotion de la fiabilité de l'information, comment on sécurise le pluralisme, parce qu'il y a la question de la véracité et il y a la question de l'intégrité de la réalité. Et la véracité et la réalité, c'est deux notions qui sont très différentes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une forme de combat entre deux visions dans les démocraties, qui est ceux qui disent le vrai et ceux qui disent oui, mais votre vrai, en fait, il ne raconte pas notre réalité. Et les deux, en fait, sont également respectables. Et c'est, je crois qu'on peut trouver des consensus dans les sociétés pour dire notre délibération publique, elle doit être conformément à ces principes. Et donc, il faut, la difficulté, en fait, c'est pas partir d'exemple, parce qu'à chaque fois, l'exemple, il fausse les choses. Et si jamais les gouvernements n'arrivent pas à adopter les textes dans lesquels vous croyez, vous, qu'est-ce que vous recommanderiez donc, d'éteindre son téléphone et de ne plus lire que de la presse qui soit imprimée? Enfin, je veux dire, à quoi il faut en arriver sinon, à la fin? Parce que ce qu'il faudra faire, c'est faire du naming and shaming, de la dénonciation de ces entités qui, désormais, ne sont effectivement, ils ne doivent surtout pas avoir les mêmes responsabilités que les éditeurs de presse ou que les journalistes, mais qui sont des entités structurantes. Et c'est de faire en sorte de leur imposer par la pression publique. La difficulté et l'espèce de piège politique, si je puis dire, c'est que les décisions les plus difficiles à prendre, elles sont difficiles parce qu'en fait, chaque détenteur d'un compte peut une espèce de biais qui lui fait voir d'abord son intérêt individuel avant de voir son intérêt collectif. Et ça, c'est l'une des difficultés, évidemment. Je vous donne la parole juste après, mais parce que Céline Mas, vous êtes discriminée parce qu'à distance, navré, mais je pense que je ne divulgage pas un secret d'État en disant qu'à côté de vos fonctions chez ONU Femmes, vous êtes assez experte en neurosciences et vous entendiez Monique Villa expliquer que les femmes étaient plus sujettes que les hommes au phénomène de bâchage en ligne. J'aurais bien aimé avoir votre éclairage là-dessus, justement, puisque vous allez voir sous le cerveau. Oui, effectivement, d'abord, le cyberharcèlement, et notamment pendant le Covid, a explosé. Et ça, c'est une réalité, à mon avis, là, parfaitement raison. Bon nombre d'études montrent que le fait que les femmes s'exposent, également parce qu'elles sont une minorité encore à s'exposer, à assumer une exposition, va vraiment déclencher des torrents souvent de haine, de violence et de remise en cause, qui est d'ailleurs une des raisons, il faut le dire, pour lesquelles les femmes sont très réfractaires ou en tout cas reculent un peu à s'engager en politique. On a vu ça dans des études, notamment en Amérique latine. Ce qui est sûr sur ces sujets, vous avez dit des choses passionnantes en plateau. Effectivement, je suis discriminée, mais j'assume complètement cette position et j'ai pu vous écouter très attentivement. C'est que la question des biais algorithmiques et la question des fake news, qui ne sont pas des questions identiques, mais qui sont liées, elles sont centrales aussi pour les questions d'égalité. Le nombre de fake news pendant la crise du Covid sur le fait que, par exemple, les États dédiaient de plus en plus de moyens uniquement aux femmes et du coup laissaient de côté la question des hommes et finalement de l'humanité a explosé. Alors que
Et c'est une des réponses des Nations Unies, de UN Women. On a un site en ligne pour la population qui s'appelle Gender Tracker Responsive, où vous pouvez trouver très précisément et designer, parce que je pense qu'il y a aussi de la pédagogie de la donnée. Ça, c'est un sujet très important. Il faut que le grand public puisse s'approprier les données. L'argent précis et les mesures qui ont été prises par les pays pendant la crise du Covid et encore aujourd'hui, et on se rend compte sur plus de 2500 mesures et 206 pays, on n'a que 20% des mesures qui sont vraiment dédiées à l'égalité, qui prennent en compte l'égalité entre les sexes. Donc ça, c'est un point. Et après, peut-être un dernier point sur tout ce que vous avez dit. Moi, je crois qu'au-delà de faire en sorte que Facebook progresse sur la question, et c'est soit impossible, soit ça va prendre beaucoup de temps et c'est très compliqué, même s'il ne faut pas lâcher ce combat, il y a vraiment une question de l'éducation des femmes, des hommes, du grand public à décrypter la donnée. Parce que quand on voit le nombre d'études en ligne qui ont des méthodologies chancelantes, des échantillons qui ne sont pas constitués, etc., c'est terrifiant. Certes, Monique Villa a raison, les histoires de vie, c'est important, l'émotion, c'est important, mais la donnée, c'est quand même un outil démocratique d'éclairage qui nous permet de prendre les bonnes décisions. Donc, il faut défendre fièrement ce sujet aussi. Et juste en un mot, puisque vous parliez de Gender Tracker qui était dans 206 pays, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux bons élèves de la classe, histoire qu'on soit un peu, qu'on sourie un peu? Ce soir, c'est Hanouka, on a besoin de bonnes nouvelles et de voir la lumière. C'est Delphine Orvilleur qui l'a rappelé. Oui, on a par exemple l'Argentine qui a augmenté les cotisations sociales pour les femmes. On a des pays comme Cuba qui sont très, qui n'ont pas beaucoup de services sociaux pour les violences, qui ont accéléré via aussi les aides des agences onusiennes pour mettre en place des services sociaux. En France, on a eu un certain nombre de dispositifs, notamment pour réagir face aux violences. Les pharmacies sont engagées. Donc, c'est bien listé en ligne, vous verrez. Il y a des bons élèves. De manière générale, ce qui est intéressant, deux points. Un, c'est que c'est l'Union européenne, a priori, qui a été la plus active pour réagir pendant cette crise et notamment sur les violences, et que c'est le sujet des violences et de la lutte contre les violences qui a été le plus pris en compte par les États. Mais ça veut dire que du côté économique et social, au plan du travail, les États ont été un peu moins actifs, en tout cas d'après ces données. Question pour le panel. Céline Mas disait à l'instant l'importance citoyenne de décrypter la donnée, mais quand on pense à la complexité qu'il y a pour les citoyens, est-ce que ce n'est pas un peu utopiste? Yuval Noah Harari, dans Homo Deus, explique qu'après les grandes religions monothéistes, nous nous sommes tous convertis à notre insu au dataïsme, qui est qu'on croit la data qui s'expose sans plus la questionner. C'est pour ça que c'est crucial de commencer dès l'école et dès la petite enfance à éduquer les enfants sur comment reconnaître une information d'une non-information ou d'une fausse information. Et ça, le CLEMI le fait, je crois, en France, mais c'est un peu des one-off à chaque fois, c'est pas suffisant, c'est une formation qui devrait être répétée avec les enfants petits, grands, étudiants, et même après, dans les bureaux, dans tous les endroits où nous travaillons, il devrait y avoir une alerte ou le moyen d'éduquer les gens à reconnaître la véritable information de ce qui s'appelle la désinformation. On en arrive à un point où il y a 73 millions d'Américains qui ont voté pour Trump, qui n'a pas cessé de miner les institutions de la démocratie américaine. C'est extraordinaire. On en arrive là en 4 ans. Il faut faire très attention, ça va très très vite, l'éducation est essentielle. L'ancienne ministre de l'Éducation sait aussi que les ministères publics ne sont pas ignorés par les GAFAM. Vous-même, vous avez dû être courtisé par Microsoft, par Google et autres. Et donc évidemment, comment est-ce qu'on arrive à rester indépendant pour apprendre aux petites têtes blondes ou brunes à décrypter de la donnée sans ingérence? Parce qu'évidemment, la vision de Google, elle n'est pas pure. D'abord, en faisant confiance quand même à d'autres acteurs, et notamment en France, on a la chance d'avoir un écosystème, on va dire, du numérique éducatif qui ne nous oblige pas forcément à passer par les GAFAM et qu'il faut soutenir. Il ne l'est d'ailleurs pas beaucoup en ce moment. J'en profite pour lancer un petit appel. Il y a beaucoup d'entreprises qui auraient dû normalement exister, grandir beaucoup pendant le confinement à l'aune de l'enseignement à distance des entreprises françaises et qui n'ont pas forcément été soutenues par les pouvoirs publics pour le faire. Donc ça, c'est quand même un peu dommage. Mais pour en revenir à ce que vous disiez sur les données, d'abord, je partage absolument ce qui a été dit. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est notamment sur les questions de genre et d'inégalité.
inégalités femmes-hommes et de comment est-ce que le Covid-19 a dégradé la situation des femmes, c'est l'absence de données. Et en réalité, c'est pas la première fois qu'on fait ce constat. Déjà, j'évoquais Ebola, par exemple, tout à l'heure. Dans les études qui ont été conduites, ou alors les papiers de presse qui ont été publiés autour d'Ebola, il devait y avoir genre 1% des papiers de presse qui s'intéressaient à la dimension genre de cette crise. Et on a un problème avec ça, parce que tant qu'on n'a pas de données, on ne met pas de chiffres sur des réalités. Alors, on met des cas pratiques, en effet, mais ce n'est pas suffisant. On fait de l'anecdote. Et une fois qu'on a la donnée, ça ne suffit néanmoins pas. Et je reviendrai au GIEC qui était évoqué tout à l'heure, donc le groupement d'information et de recherche sur le changement climatique. Pendant des décennies, ce GIEC, en fait, il a eu beaucoup de données, mais en fait, cette donnée, elle ne passait pas dans l'opinion publique parce qu'il y en avait tellement qu'il y avait un manque, disons, de pédagogie ou d'un chiffre simple et clair qui soit reconnaissable. L'infobésité, c'est ça ? Oui, une forme d'infobésité. Et en fait, c'est quand, finalement, tout le monde s'est mis d'accord sur l'histoire des 2 degrés Celsius, enfin, que, enfin, ce chiffre est devenu un petit peu l'avant-garde de la réflexion, on va dire, sur ces questions climatiques, et qu'il a pu être adopté et approprié, y compris par des gens qui ne sont pas des scientifiques, et y compris par des jeunes, et Greta Thunberg et compagnie. Et donc, je trouve que ce dont on souffre aujourd'hui, peut-être que vous pourriez travailler d'ailleurs sur le sujet en matière d'information, puisque vous avez voulu créer l'équivalent du GIEC, c'est aussi d'un chiffre, en gros, qui soit partageable facilement avec la population. Ça vaut pour le recul de l'information, ça vaut pour le recul des droits des femmes. Des chiffres, un par sujet, qui soit partageable et sur lesquels on puisse tenir les gouvernements réellement redevables. C'est l'accountability, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit un chiffre, on sait qu'il y a un problème si le progrès estimé n'a pas été atteint. Si on n'a pas de chiffre, on ne peut pas faire ce type de calcul. Oui, c'est le mathématicien Olivier Rey qui expliquait qu'aujourd'hui, la statistique était devenue un fait sociétal total, à ce point même que notre vision du monde était un reflet des statistiques. On sait évidemment que c'est dangereux parce qu'elles peuvent être biaisées, elles peuvent être manipulées. Churchill disait qu'il croyait les stats que quand il les avait falsifiées lui-même. Alors comment est-ce qu'on fait, Christophe, avec les chiffres ? Alors, sur la question des chiffres, c'est sans doute pas le bon, mais il y en a un, c'est que, et c'est un centre de recherche américain qui a démontré ce chiffre, une information fausse a un potentiel viral 6 fois supérieur à une information vraie. Ça nous mine. Comment on fait ? Parce que... il y a des obligations générales aux plateformes, mais après, il faut trouver les moyens faire en sorte que les algorithmes ne fassent pas remonter les informations fausses. Et donc, qu'elles puissent statuer, que les algorithmes puissent, d'une certaine manière, favoriser ce qui est le plus fiable. Comment faire ? C'est évidemment extrêmement dangereux si c'est les États qui décident de ce qui est fiable ou pas. C'est également dangereux si c'est les plateformes elles-mêmes. Donc, on a lancé une autre initiative, qui est la Journalism Trust Initiative, que vous aviez citée tout à l'heure, et qui vise à dire qu'on ne trouve pas le vrai, alors ni quand on est éduqué aux médias, ni quand on est un algorithme, ce qui n'est pas la même chose, en regardant simplement un contenu tel qu'il est. Parce qu'il y aurait 6 sources citées, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ou parce qu'on verrait quelqu'un d'être tué au bout du monde sur une vidéo, on ne sait pas dans quelles conditions elle a produit. Donc la délégation de notre confiance, parce qu'à la fin, on est quand même obligé dans le champ de l'information de déléguer notre confiance. Elle doit se faire sur la base des processus qu'emploient ceux qui traitent l'information. Et donc, on a, avec une centaine d'entités dans le monde, des grandes agences de presse, Associated Press, AFP, des grands médias, BBC, Guardian, des syndicats de journalistes en Corée du Sud, à Taïwan, etc. Et aussi le consortium de base du web, W3C, fait un cadre de référence, un document de 60 pages, sous égide du Comité européen de normalisation, qui vise à dire... les méthodes professionnelles et les règles de base du journalisme, c'est ça. On n'a pas réinventé la roue, on n'a pas réinventé les codes éthiques, mais on les a codifiés. Ce qui permet, à partir de ça, de faire de la comparaison entre les processus dans les médias, parce qu'aujourd'hui, le secteur des médias, il n'existe plus en tant que tel. Il existe toujours dans la régulation nationale, mais pour le public, il y a des sources d'informations. Et quel que soit leur statut, peu importe. Et donc, l'objet, c'est de recréer de la distinction mais sur une base non discrétionnaire où il n'y a pas de décision individuelle. Et donc, on l'a fait à travers ce cadre de référence qui a été posé, qui a été publié en décembre dernier. Maintenant, on est en train de construire un système qui permettra de comparer les processus par rapport à ce cadre de référence et qui permettra, en fonction de ça, de créer un facteur intégrité de l'indexation algorithmique, c'est-à-dire de faire remonter ceux qui respectent ça. Et c'est neutre politiquement, je tiens à le dire. Ça ne réduit pas le pluralisme, ça n'incite pas au conformisme, ce qui serait extrêmement dangereux.
On travaille aussi avec les annonceurs, avec la Fédération mondiale des annonceurs, parce que la question de à qui les annonceurs donnent-ils leur argent, elle est fondamentale. On travaille avec les organes de régulation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France, mais d'autres dans d'autres pays européens, parce que les organes de régulation, par exemple, ils prennent des décisions sur des chaînes de télévision en mettant des dispositions sur l'honnêteté de l'information, l'indépendance de l'information, mais pour des chaînes qui sont au bout du monde et où ils sont incapables de vérifier. Donc, ce chaos informationnel, c'est cette absence de distinction, où il faut réintroduire, je le disais, de la distinction, mais sans qu'il y ait un pouvoir, quel qu'il soit, ni un État, ni une plateforme, ni évidemment une ONG, qui décide de ce qui est vrai et faux. Et ça, ça se fait, comme la démocratie, sur la base de processus. À vous écouter, ça ressemble quand même au 13e travail d'Hercule. On vous souhaite la même réussite que pour les 12 précédents. Alors, j'ai cru que c'était une fake news, mais il est vraiment, malheureusement, l'heure de conclure. En 30 secondes chacun, je voudrais votre petit plaidoyer pour votre cause pour 2021. Céline Mas, où est-ce qu'il faut regarder du côté de l'amélioration de la situation des femmes l'an prochain? Mon plaidoyer est réactivé. Pardon. Plaidoyer, c'est la cohérence. Ce que je pose simplement ici, et je ne dis pas que c'est facile à résoudre, c'est comment peut-on parler d'un monde durable, que ce soit les États, les entreprises, les activistes, etc., sans faire en sorte que la violation la plus répandue des droits humains, c'est-à-dire celle qui concerne les filles et les femmes, un peu moins de la moitié de l'humanité, ne connaisse pas des progrès substantiels, voire une résolution. C'est ça mon plaidoyer, soyons cohérents. Je ne parle pas de perfection, je parle de cohérence. Et allons donc dans cet avenir cohérent avec volonté politique. Et en tout cas, nous, on continuera inlassablement de travailler sur cette égalité qui est bonne pour la croissance aussi, hein, disons-le, pour un monde meilleur, une société plus juste. Merci beaucoup. Merci à vous. Monique ? Moi, c'est certainement de continuer à donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Ils sont des milliards dans le monde. Et il faut quand même que ça aussi, ça apparaisse dans nos débats et dans nos discussions. Et ensuite, très certainement, résister à la désinformation, parce que je pense que c'est ce qui nuit le plus à la démocratie aujourd'hui. Et on parle de la désinformation, on ne parle pas du complotisme, on aurait pu en parler aussi, parce que ça suit immédiatement après, etc. Donc c'est un tellement vaste programme qu'il faut vraiment l'attaquer de toutes parts et que les gouvernements ont tout intérêt à l'attaquer avec du soft power, c'est-à-dire pas bille en tête, mais aider à ce qu'un écosystème se mette en place qui soit positif et qui aide à tout ce dont Christophe a parlé et a développé. Parce que ça prend longtemps et les gouvernements n'aiment pas le temps long, ils aiment le temps rapide. Donc ils se disent « Ah, c'est l'Union européenne qui le fait, c'est très bien ». Mais non, il faut que chacun dans chaque pays attaque ce problème de la désinformation. Et c'est très difficile et très complexe, mais c'est une des choses qui me galvanise. Et enfin, je trouve qu'en France spécialement, je suis là depuis 8 jours, j'habite à Londres habituellement, le pessimisme et la mélancolie des Français est quelque chose de stupéfiant, vraiment. C'est le pays au monde où on vit le mieux, où les gens ont le plus d'avantages sociaux, même les plus pauvres. Enfin, ils ont quand même quelque chose. Venez voir comment ça se passe dans les régions en Angleterre. Et ce pessimisme et cette dépression des étudiants, des vieux, de tout le monde, c'est terrible. Résister à la dépression. Les champions du monde de consommation d'anxiolytique, ça ne changera pas. Christophe, on a bien compris que vous étiez face à une armée des morts de la désinformation. Quel est votre effet Arya Stark pour triompher l'an prochain ? J'ai parlé de la délibération publique. Là, je vais revenir à l'un des éléments de la délibération publique, qui est le journalisme. Il faut sauver le journalisme. La fonction des journalistes, c'est des tiers de confiance des sociétés. C'est fondé sur les droits et devoirs des journalistes. Et je pense que l'avenir du journalisme, il sera assuré si on en a une vision exigeante, si on s'en sort par le haut et pas s'il y a un abaissement des contenus lié à la pression concurrentielle. Donc la question, c'est de reconstruire l'écosystème pour ça. Parfait. Najat Vallaud-Belkacem, je vous laisse le mot de la fin. Oui, je veux bien. Alors du coup, je vais faire un plaidoyer, moi, sur un sujet qui va lier la question de l'information et puis ce dont je m'occupe à la tête de l'ONG One, qui lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde et les maladies évitables. Et vous savez qu'à l'aune du Covid-19, on attend quand même plus de 150 millions de personnes supplémentaires qui vont tomber dans l'extrême pauvreté compte tenu des conséquences de la crise.
Et donc, pourquoi est-ce que je vais lier les deux sujets? Parce que tout à l'heure, Monique a dit, au sujet des GAFAM, etc., elle a dit, mais pourquoi voudriez-vous qu'ils partagent leurs algorithmes alors que c'est ce qui leur assure finalement les profits? Vous avez absolument raison. Et c'est la même question qu'on se pose en ce moment au sujet des laboratoires pharmaceutiques qui préparent le vaccin Covid-19 et auxquels nous, ONG One, on demande de partager leur savoir-faire et propriété intellectuelle pour que le vaccin soit créé en plus grand nombre possible et rapidement. Eh bien, c'est la même question qui se pose pour eux. Pourquoi voudriez-vous qu'ils le partagent? Et en fait, mon plaidoyer sera pour que les acteurs privés, surtout lorsqu'ils jouent des rôles tellement massifs et tellement importants qu'on les prendrait presque pour des États, endossent l'intérêt général quand même. Et qu'au fond, je veux dire, on ait tous une réflexion en sortant de cette crise sur ce qui fait que nous pourrons forcer les acteurs privés, en cas de grande pandémie, en cas de grande crise, la crise informationnelle en est une, à prendre des responsabilités et des devoirs qui s'imposent à eux comme ils s'imposent aux États. Voilà, donc je pense que les deux sujets finalement se rejoignent. Et sur les vaccins, si je peux, merci Bill Gates qui a mis des centaines de millions de dollars pour que justement les plus pauvres aient accès aux vaccins. Et lui est vilipendé sur tous les réseaux sociaux comme un complotiste. Donc c'est quand même extraordinaire notre monde. Merci infiniment à tous les quatre. Merci à toutes et tous qui nous avez suivis. Je ne sais pas quelle heure il est dans vos pays. En France, c'est l'heure un petit peu tardive du déjeuner. Je crois que vous allez partir en atelier. Et on se retrouve dans 3 heures pour parler de bascule démocratique. Merci à tous. Merci.